par le ministre Didier Mazena, qui va suivre et le point de presse des deux chefs d'État. Pendant qu'ils vont se retirer, nous invitons le ministre et les membres des deux délégations à précéder à la rotonde du Palais de la Nation. Venez vous lever pour saluer la sortie de leurs excellences, les chefs d'État. Cérémonie de signature de mémorandum terminée, lecture du communiqué final sanctionnant cette cérémonie terminée. Les deux chefs d'État vont descendre d'un moment à l'autre ici au niveau de la rotonde, mais avant qu'ils ne soient là, c'est plutôt les partis, la partie congolaise et la partie burundaise qui doivent redescendre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, va avec son homologue dans un des bureaux, ici au niveau du Palais de la Nation. Les deux délégations vont descendre d'un moment à l'autre et seront suivies par les deux chefs d'État, Mathieu Modibango. Simama solo pene na ngongani bale me batata ba konzi ba solo li bango ba bale pena ba yima pinga bazaraki na yango toti kolanda lolenge maboko machami na kata mikanda ya bobembani ya bikolo bibale za ekolo ya Burundi e pa ya tata mokonzi Evariste Ndayishimiye pe ekolo ya Republique Democratique du Congo e pa na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo okati ya bobembani bona etalisi ya bokembisi bondeko botombwami Kimia, Pebo Kengi, Okata Bikolo Bibale, Ministre, Mukamisara, Mital Mampinga, Vasodoko, Congo Démocratique, Moto Ache, Kima Bokona, Obemba Nibona, Po Ongambo RDC, Ongambo Kola Burundi, Ezali Ministre, Mukamisara, Boyokana Bikolo Bapaya, Yai Bale, Zaki, Ekopesa, Mopepe Molam, Namama Tali Bosombitini, Mamma Mombongo, Kuna Pe, Ministre, Mukamisara, Mombongo Kate Kola Congo Démocratique, Chaki maboko ya bubungi sinjila engunduka kukende na Bingumba Uvira Gitega Kindu etuka ya Manyema engunduka bie soko bibandi kotambwa bikoza na litomba linene ya bosale te misala na otambo bato biloko bya bango pe misala miike mitambwa na lolenge elongo bani ya matali masoro ma politique maître Didier Mazenga Mukanzu yazali ministre mukamisala ya intégration régionale et coopération motachaki maboko pona kotali sete ya solo bobemba ni boibozana litomba linene pe yo mutatangi et memi na masolo lolenge masolo matamboli ngambo ibale ya République démocratique du Congo pe ya Burundi yende atangi sango e ya suka sika ezali kamboli tali likita ya batata ba konziba bale oboso ba bapanzi sango pona kotali sa pe biano na mboko mituna pe tumonye te mampinga ezala ya République démocratique du Congo ezala yekolo ya Burundi bango bana bakiti po kozo sika na bozilaka boye batata ba konzi bango ba bale côté le maïsika et bongisami pour na kozwa maloba onzela ya likitalie l'Italie bongo batata bakonzi bango babale Blaise Bokoki. Au niveau de la rotonde, très chers téléspectateurs, il y a deux litrains qui sont dressés, l'un pour le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye et l'autre pour le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve présentement dans un des bureaux du président de la République au premier niveau et qui vont descendre d'un moment à l'autre et rejoindre les deux délégations ici au niveau de la rotonde. Mais ce qui est vrai est que le tout s'est passé dans une ambiance pleine de cordialité entre la partie congolaise et la partie burundaise. Les deux chefs d'État sont en train d'échanger et qui vont rejoindre la rotonde d'un moment à l'autre à Skido Congo. Cela augure de bonnes relations qui existent entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Voilà, ils sortent du bureau du président de la République, ils prennent le couloir, bien le couloir, hein, ce couloir c'est, qui j'ai toujours appelé couloir du bonheur et du pouvoir. Ils vont prendre la marche, juste descendre au niveau la rotonde et se mettre devant les deux litrains dressés, et la presse est donc là présente pour poser quelques questions soit au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, soit au président Evariste Ndayishimiye de la République du Rwanda. Voilà, les deux litrains sont du Burundi, pardon. Voilà, je disais, il y a deux litrains qui sont dressés. Le Burundais
occupe son litrain, les Congolais occupent. Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce studio de circonstances. Vous me permettrez également de vous dire merci pour avoir accepté de passer quelques minutes avec les médias pour quelques questions. Et tout de suite, si je peux me le permettre, puis-je vous demander, Monsieur le Président de la République du Burundi et Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, après ce long moment d'échange entre vous, en tête-à-tête d'abord, élargi à vos délégations, est-ce que l'on peut en quelques mots savoir ce qui a pu être échangé? Que pouvons-nous retenir, Monsieur le Président de la République du Burundi? Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et chers frères, Excellence, Mesdames, Messieurs, chers les agents des médias. D'abord, je commence par présenter mes condoléances les plus attristées suite à la disparition de l'illustre fils de son beau pays, le cardinal Laurent Mosengo. Qu'il repose en paix et que Dieu donne à sa famille et au peuple congolais la force de traverser ces moments de dures épreuves. Et effectivement, comme vous venez de le dire, je viens de m'entretenir avec mon cher frère, président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était un très riche entretien car nos peuples respectifs sont liés par la géographie, l'histoire, la culture, la langue et forcément une communauté de destin commun. Nous venons d'échanger dans un climat de parfaite entente. Je suis heureux qu'entre nous, aucun pays n'a de reproches à faire à l'autre. Nous avons des défis communs. Nous avons dialogué, non pas dans le sens de pourparler, mais avons exploré les voies et moyens de conjuguer nos efforts en vue d'affronter les défis communs pour atteindre un bien-être réel de nos peuples respectifs. Nos échanges ont donc porté principalement sur des sujets bilatéraux, mais nous avons aussi évoqué des sujets qui intéressent la région des Grands Lacs, la communauté de l'Afrique de l'Est et de notre continent, même des enjeux globaux. Je suis heureux d'être à Kinshasa aujourd'hui pour assister personnellement à la signature des accords qui vont, j'en suis convaincu, redynamiser nos échanges commerciaux, sociaux, politiques et diplomatiques. Nos relations d'amitié et diplomatiques étaient déjà excellentes. Avec ce nouvel élan, elles s'amélioreront davantage. Nous avons convenu de collaborer sur le plan sécuritaire, surtout à nos frontières communes, terrestres et maritimes, pour éradiquer les forces négatives qui ne cessent d'endeuiller nos pays et de saboter le développement socio-économique. Au-delà de la sécurité, nos deux pays collaboreront dans le développement d'infrastructures qui amélioreront la qualité de nos populations en les propulsant vers le chemin du développement. Et en effet, en construisant le chemin de fer qui reliera la capitale politique du Burundi à Kindu, en passant par la capitale économique Bujumbura, Uvira, Bukavu, Kamituga, le Burundi et la RDC auront accompli un très grand pas en avant vers le rayonnement socio-économique en améliorant la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons décidé de relancer la grande commission mixte de coopération
pour que les accords signés antérieurement et ceux signés aujourd'hui puissent être mis en application pour le bien-être des peuples de la RDC et du Burundi et de toute la région. Et j'ai aussi profité de cette opportunité pour féliciter mon frère Tshisekedi pour son leadership éclairé à la tête de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine et son dévouement à stabiliser la RDC dans son ensemble, toute la région et même tout le continent, pour faire taire les armes afin que nos peuples vaquent paisiblement à leurs activités et une meilleure qualité, et une meilleure qualité de vie. Donc, et en terminant, je voudrais vous dire, Excellence, Monsieur le Président, qu'au nom du gouvernement de la République du Burundi et à mon nom propre, j'ai réitéré à mon homologue mes sympathies et ma solidarité au gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple congolais dans son ensemble, mais plus particulièrement aux habitants de Goma, suite à la récente phase éruptive du volcan Nyiragongo. Et en terminant, je tiens encore une fois à réitérer mes remerciements pour l'accueil très chaleureux et l'hospitalité légendaire qui nous a été réservée à moi-même et à ma délégation. Et tiens toujours à vous rassurer que le Burundi et la République démocratique du Congo sont des pays frères, pas dire des pays amis, mais des pays frères, car nous sommes unis par la nature entre nos deux peuples. Voilà, je vous remercie, Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je peux demander un mot à Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président Ndayishimiye, cher Évariste, cher frère, avant toute chose, j'aimerais à nouveau vous souhaiter, à vous et à votre délégation, la bienvenue en République démocratique du Congo. Vous savez, nous nous sommes vus dans certains forums, certaines rencontres internationales ici à Brazzaville, par exemple, ou en Ouganda lors de la dernière rencontre de l'événement marquant l'investiture du président Museveni. À chaque fois, nous promettions, lorsque nous nous rencontrions, de nous voir, de venir nous rendre visite. Et aujourd'hui, je dois vous remercier pour l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en venant nous voir et en nous mettant dans le devoir aussi de vous réciproquer cet acte honorable, cet acte fraternel. Pour répondre à votre question, je dirais que l'entretien a tourné autour, comme l'a dit mon frère le président Ndayishimiye, du rapprochement, de la fraternité, de la solidarité entre nos deux pays et nos deux peuples. Comme vous le savez, nous sommes dans cette région-là en proie à des scènes de violence dues aux nombreux groupes armés qui pullulent dans cette région et qui commettent énormément d'abus, mettant à mal la paix et la sécurité de nos populations. Et il était donc question de mettre en commun nos forces, nos énergies, mais également nos intelligences pour arriver à éradiquer cela et à ramener une paix définitive qui amènerait à son tour la stabilité dans la région. Et nos échanges ont aussi tourné autour de ce qui me tient à cœur depuis mon accession à la tête de notre pays, c'est-à-dire d'entretenir non seulement des relations de bon voisinage, de fraternité avec les pays voisins de la République démocratique du Congo, les pays de la
de la région, mais également de développer des relations d'échange, d'échanges commerciaux et autres pour le bonheur de nos peuples respectifs. Le Burundi fait partie de ces pays qui sont à jamais condamnés à être voisins de la République démocratique du Congo et dont les peuples ont une tradition d'échange et qui se fréquente, dont les peuples se fréquentent depuis des lustres. Et cela, il faut le mettre à profit pour développer davantage ces relations et aboutir à des choses concrètes qui vont favoriser le développement de nos pays. Et c'est pour ça que je me réjouis de la signature de l'accord qui va voir se construire ce chemin de fer entre nos deux pays, qui va très certainement impulser l'activité économique, créer des emplois et de la richesse, et faire reculer la pauvreté et l'insécurité. Nous avons également échangé nos expériences sur la pandémie, la lutte contre la pandémie de Covid, et je me suis aperçu qu'il y a une particularité au Burundi, ils ne mettent pas l'accent sur le port du masque, ils ont fait ce choix parce que ils ont renforcé de manière efficace les mesures barrières. Nous n'en sommes pas là, je ne conseille pas que nous en fassions autant, mais ce sont des expériences enrichissantes et qui permettent de savoir ce que font les voisins par rapport à cela. J'ai profité de l'occasion pour féliciter le président Évariste Ndayishimiye pour l'effort qu'il a fourni en seulement un an d'investiture les performances qu'il a atteintes aujourd'hui en faisant par exemple du Burundi un pays qui a assuré la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin d'importer des denrées de première nécessité, ils les produisent sur place. Je crois que c'est un exemple à suivre et nous nous sommes d'ailleurs entendus là-dessus pour voir comment est-ce que nous pouvons faire ces échanges d'expériences. Et cela dans un contexte très difficile parce que je ne vous apprends rien en vous disant que le Burundi est sous sanction internationale. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour plaider en faveur de ce pays afin que les sanctions soient levées parce que c'est un pays qui, contre vents et marées, a pu montrer sa capacité à se prendre en charge, à régler ses problèmes. Et aujourd'hui, c'est un pays stable, ouvert et démocratique qui nécessite le soutien de la communauté internationale et qui nécessite évidemment l'apport de capitaux internationaux pour lui permettre de se développer. Donc voilà ce que je peux dire en substance parce que le communiqué final sanctionnant notre rencontre a été beaucoup plus précis et mon frère a également préciser également davantage l'objet de cette rencontre. Et donc, je peux m'arrêter là en souhaitant à nouveau un bon séjour à mon frère, Évariste Ndayishimiye, et à sa délégation. Et en remerciant à travers vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple burundais pour son amitié, sa fraternité, et en souhaitant que les relations entre nos deux pays aillent toujours de l'avant, se renforcent, se solidarisent et pour le bonheur évidemment de nos peuples respectifs. Je vous remercie.
Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, il ne saurait y avoir de point de presse sans question de journaliste. Rassurez-vous, ce ne sera pas long. Nous avons sélectionné deux journalistes et pour ce faire, j'appelle Denise Manirambona de la RTNB, la Radio-Télévision Nationale du Burundi, et Willy Yvan Lutumba de Radio Okapi. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, vous venez donc...